Les échinopsis. Pour la plupart des espèces composant ce genre, les fleurs sont très belles, grandes, mais de couleur blanche ou rose. Peu d'espèces ont des fleurs rouges ou jaunes. Cette espèce, Echinopsis ancitrophora, est originaire d'Argentine, comme la grande majorité du genre Echinopsis. L'américain Johnson fut le premier qui eut l'idée d'hybrider ces plantes, pour obtenir toute une gamme de coloris. Le genre Echinopsis se prête avec facilité à cette opération d'hybridation. Aussi, de très nombreux collectionneurs se sont lancés dans la création d'hybrides d'Echinopsis. Bien sûr, je ne pouvais rester simple observateur des résultats obtenus par mes collègues. Il y a 40 ans, je me lançais moi aussi dans la création d'hybrides. À partir de mes semis d'Echinopsis hybridés, j'obtenais très rapidement des résultats très intéressants. Au début, j'ai gardé tous mes Echinopsis hybridés. J'ai été très vite envahi. J'ai commencé par sélectionner ceux qui me paraissaient les plus beaux. Ce sont ceux-là que je vous montre. Au bout de quelques années d'hybridation, j'ai obtenu très vite toute une gamme de coloris et leurs nuances, si je voulais ne pas être débordé par le nombre de plantes aux fleurs, aux nuances très proches les unes des autres. Il me fallait rechercher d'autres critères de sélection, tout en gardant de très belles fleurs. Premier critère de sélection, la grandeur des fleurs. Deuxième critère, les coloris, vifs ou pastels. Troisième critère qui m'a paru très intéressant, c'est de raccourcir le temps entre le semis et la première floraison. La majorité des Echinopsis, cette période d'attente est de 4 à 6 ans. Je l'ai ramené de 18 mois à 2 ans. Autre critère, les parfums. Savez-vous que plus on hybride, plus on obtient parfois des plantes très parfumées, aux odeurs subtiles et exotiques qui embaument la serre. Il est vraiment dommage que la vidéo ne puisse vous transmettre ces odeurs. Vous en seriez enchanté. En attendant, on admire l'élégance des fleurs, qui sont parfois aux coloris indéfinissables. Le semis des Echinopsis hybrides est facile et pose peu de problèmes. Pour un hybrideur, quand apparaissent les premiers boutons de fleurs, c'est une joie difficile à décrire. Que des questions trottent dans notre tête. Vite, vite, j'attends les résultats. En voici quelques-uns. Cette plante, qui n'a que 15 mois, fleurit pour la première fois. Quelle fleur, bien plus grande que la plante. Sachez aussi qu'à la première floraison, les fleurs sont en général plus petites. Plus tard, quand la plante sera bien plus grande,
elles seront elles aussi bien plus grandes. Cela peut aller du simple au double. Pour un hybrideur, le moment le plus excitant est l'ouverture d'une fleur, la découverte de son coloris, de ses formes, qui sera une grande joie ou une petite déception. Je vais essayer de vous faire partager ces sentiments. J'attends avec impatience la première floraison de ce groupe d'hybrides. La veille, trois plantes ont déjà fleuri. Elles ont peu d'intérêt pour moi. Pendant la journée, les boutons des autres plantes se développent très vite. Alors que les plantes de la veille se fanent. Au crépuscule, les fleurs s'ouvrent et s'épanouiront pendant la nuit. Au petit matin, c'est la découverte de leur splendeur. Nouveau coloris, à vous de choisir. Puis, les floraisons vont se succéder. Il faut sélectionner. Et parfois, cela est difficile. Celle-ci, je l'ai déjà. Elle est pourtant belle. Mais il faudra m'en séparer. Celle-ci, pas de problème. Elle sera éliminée. Celle-ci, très grande fleur, rose délavée, sera conservée. Celle-ci, pourtant, à fleurs simples, sera conservée pour sa teinte. Les deux suivantes seront éliminées. Et la dernière sera conservée pour son coloris. Cette découverte de floraison est si passionnante pour ne pas avoir à attendre un an de plus. Dans mes déplacements, je fais suivre les échinopsis prêtes à fleurir pour en découvrir leur floraison. À force de sélection, on finit toujours par obtenir des fleurs sortant des normes. Cette plante a 6 rangées de pétales. Là aussi, comme pour les parfums, le nombre de pétales augmente au fur et à mesure des hybridations successives. Celle-ci, très élégante, a une particularité. Les fleurs des échinopsis durent de 1 à 2 jours. Un jour s'il fait très chaud, 2 jours si le temps est plus doux. Cet hybride, partant doux, a une floraison qui dure 6 jours. C'est là un très bon critère que je vais exploiter. Sur mes premières cassettes, je vous avais présenté mes premiers échinopsis hybrides. Certains étaient très beaux. Mais on finit toujours par être envahi par ces très belles plantes, dont il est difficile de se séparer. Au bout d'un certain temps, la serre regorge d'échinopsis hybrides. La solution serait mettre ces plantes à l'extérieur, comme ici. Les échinopsis, en temps normal, supportent des températures assez basses, de moins 4 à moins 8 degrés, mais sous châssis, dans un sol très sec. Dans notre sud-ouest, l'hiver est parfois froid et humide. Dans ces mauvaises conditions, mes plantes ont supporté quelques hivers, assez doux, mais à peu près tous les 10 ans, un hiver plus rigoureux et plus humide se présente.
et dévaste tout. Et tout est à refaire. Il y a ce critère de grande résistance au froid vif et humide que je cherche à obtenir depuis mes débuts. L'hiver 2001-2002, moins 12 pendant 10 jours, grande humidité, pluie, neige pendant le jour et grand froid très vif pendant la nuit. Les pires des conditions pour mes échinopsies hybrides et même les opuntias réputés très résistants n'y ont pas résisté. Alors que de nombreuses échinopsies hybrides ont gelé, grosse surprise, deux pieds, certes tachés par le froid, ont résisté. Ils se sont vite remis en végétation au printemps, ont refleuri normalement. Je les ai croisés ensemble pour sélectionner ce critère. Grande joie, j'ai obtenu un fruit. Ce fruit, très important pour moi, je le protège avec un coton pour ne perdre aucune graine, car ces fruits s'ouvrent presque toujours dessous, hors de la vue. Mais aussi, je le protège contre les fourmis, grandes voleuses de graines. Après avoir placé le coton, je le mouille pour qu'il se resserre autour du fruit. Je mets beaucoup d'espoir dans ces graines. Si l'on pouvait cultiver ces plantes à l'extérieur, sans protection, quelle avancée! En attendant, d'autres floraisons m'attendent. Et celles-ci, à la vue de la différence des plantes, je risque d'avoir des surprises, bonnes ou mauvaises. En hybridant les Trichocereus avec les Echinopsis, j'ai obtenu de très grandes fleurs, plus de 20 cm de diamètre. Mais il faut attendre trop longtemps pour voir la floraison. Plus de 10 ans, c'est trop long. On le voit, il y a devant nous de très belles choses à faire.